présenter. Le premier qui se présentera en lice, vêtu de rouge, géant, géant comte de Beaucaire. Le tueur d'Anglois craint par ses ennemis. Le second, vêtu de vert, Thibaut, seigneur de Grance. Le dompteur de chevaux, devenu un proche chevalier lors de redoutables joutes. Le troisième, le chevalier du roi René du château de Pérolles. Le fameux pourfendeur de loups. Le beau et preux chevalier de la reine Catherine. Le chevalier Cédric de Bonnivet qui représentera la bonne ville de Salon de Croix. Et contre ces jeunes chevaliers, un ancien mercenaire, Richard du Manoir des Aigles, surnommé le Chevalier Noir. Il est connu pour sa félonie, mais redouté par tous, tant par son ardeur au combat et son expérience,